bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies pour cette semaine du 19 au 25 août. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général. Donc, je vous en supplie, prenez du recul, ayez également du discernement. N'hésitez pas à aller faire comme chez vous, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, vraiment. Faites-vous plaisir, ok? Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Je refais le même principe que la semaine dernière. Je ferai des vidéos un petit peu plus courtes parce que j'ai quand même remarqué que le mois d'août a l'air d'être un petit peu plus calme sur YouTube. Donc voilà, les vidéos plus longues reviendront à partir de septembre, ok? Allez, on est parti, je me concentre et puis ben, on est parti pour cette nouvelle série de vidéos. À tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 19 au 25 août inclus, comme d'habitude. Oui, bien sûr, on y croit. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On ira utiliser également le jeu 32 et Madame Aimée. Allez, on est parti pour vous, mes chers et tendres béliers. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va commencer par aller faire une coupe. Hop, c'est parti pour les béliers du 19 au 25 août. Ok, cavalier de carreaux. Oh, et la roue de poisson. Oh, bah là, c'est une semaine plutôt intense. Peut-être même sur le plan professionnel. On voit qu'il y a du rendement. On voit qu'il y a des opportunités. Et je parlerai même pour certaines personnes. Est-ce que là, il n'y a pas même notion de quelque chose de nouveau sur le plan matériel, sur le plan professionnel? Est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en attente d'une réponse sur le plan, pourquoi pas, d'un entretien? Sur le plan, peut-être, vous avez postulé et que vous attendez justement un entretien. On vous dit que là, il y a de fortes chances que vous ayez une nouvelle qui vous mettra en joie et qui pourrait éventuellement être validée par la suite. On a également ce 5 de pique. Pour moi, il va y avoir des discussions même. Alors, si vous êtes déjà dans le cadre professionnel, est-ce que cette semaine, vous allez devoir échanger avec des collègues, échanger peut-être sur... une pratique sur des dossiers et qu'il va falloir faire preuve de sagesse parce que vous risquez peut-être de tomber en face avec des personnes qui ne veulent pas forcément ouvrir d'esprit ou qui sont bien qui veulent rester dans leur position aussi. Quelque chose de nouveau qui arrive hein, tout de même. Et on vous parle du domicile. Bon, on va aller voir tout ça. Peut-être certaines personnes font du télétravail cette semaine. On va aller voir. On va aller prendre 9 cartes. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Cette semaine. Hop. Allez, on va en prendre 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je l'ai mis bien. Et puis, on va commencer par le double deck. Allez. On a la fin. Ah, la fin d'une situation financière. La fin, oh, peut-être la fin d'un contrat que vous allez obtenir du coup votre dû, votre solde de tout compte. Mais c'est comme s'il y avait autre chose qui débutait par la suite. On voit avec ce 5 de pique en plus. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement même sur le côté professionnel que vous devrez faire par la suite? Ou du moins que vous faites un déplacement pour passer un entretien, que celui-ci est validé et qu'après qu'on vous dit que vous commencez un nouveau travail. Ça, c'était pas non plus... à exclure. Uh-huh. Bah oui, regardez, vous avez la naissance. Il y a la naissance de quelque chose là. Oh bah oui, même sur le plan financier, il y a de l'argent qui rentre. Donc si vous attendez de l'argent, attendez-vous cette semaine, même sur le cadre professionnel, il y a quelque chose qui bouge. Uh-huh. On a également ce roi de carreau. Ouais, pour moi, professionnellement, là, il y a une envie. Il y a une envie de changement, il y a une envie peut-être de... Pourquoi pas, hein, certaines personnes, est-ce que vous souhaitez créer quelque chose de votre côté, mais garder le côté salarial, mais de vous mettre par exemple à mi-temps ou de trouver un arrangement là qui sera des plus favorables pour vous. On vous dit que ça ne va pas forcément être facile parce qu'il va falloir négocier avec vos supérieurs, hein, mais on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui se met. Enfin, en tout cas, vos propositions seront accordées ou du moins votre changement, pour moi, est validé. Et pour d'autres personnes, soit vous avez un entretien cette semaine avec un patron et qu'on vous dit que par la suite, c'est plutôt positif.
active. On regarde, en plus, il y a quelque chose de... Voilà, il y a une réponse rapide qui arrive à vous. Hein, et par, qui arrive chez vous, par contre. Hein. Bon, il y aura un petit peu de retard. Mais pour moi, je pense que ce sera, le retard sera vraiment minime. Hein. On pourrait très bien vous dire qu'on vous donne la réponse mercredi. Et puis, c'est jeudi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, là... Ça bouge. C'est plutôt pas mal. Je vais juste recouvrir ce 3 de pique. On va aller voir. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a la fin. Il y a des discussions. Alors, peut-être que vous allez devoir négocier votre séparation. Enfin, votre séparation. Votre rupture. Enfin, votre rupture, votre travail. Si éventuellement, vous avez postulé ailleurs et quand vous avez été accepté, il va falloir préparer votre départ. Et peut-être que votre départ ne va pas forcément convenir ou plaire, d'accord? Parce qu'on vous dit bien que votre futur travail, on voit que l'abondance est là, la réussite, et ça va vous épanouir, d'accord? Et pour certaines personnes, est-ce que là, cette semaine, il n'y a pas éventuellement des discussions? Alors, soit il y a peut-être un arrêt qui arrive à vous parce que vous n'en pouvez plus, hein, ou tout simplement que vous êtes en train de vous rendre compte que là, physiquement, psychologiquement, au niveau de votre activité, c'est plus aligné avec ce que vous souhaitez vraiment maintenant. Et qu'il y a des accords qui vont peut-être être faits cette semaine pour trouver justement cet équilibre. D'accord? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous. Les béliers, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît. Hop! Du 19. Oh. 25 août. Allez, on est parti pour les béliers. Ah, il y a un petit déplacement. Oh, il y a des invitations même, peut-être des invitations. Peut-être voilà, une rencontre sentimentale qui arrive à vous avec une personne qui est peut-être pas à côté de chez vous, du moins qui a des origines étrangères. On vous dit que même pour certaines personnes, il y a le grand changement. Hein. Il y a le grand changement. Soit vous vous déplacez pour justement... clôturer quelque chose, clôturer peut-être un nouveau travail, enfin, nouveau travail, votre travail pour pouvoir justement commencer un autre par la suite assez rapidement. On vous parle de blocage, hein, mais pour moi, il y a du changement là. Ah, il y a de la colère avec certitude, vous concernant par rapport à un changement, mais ça vous met en joie. Ouais, alors je pense que cette colère est due parce que vous allez devoir vous battre pour défendre vos intérêts ou pour pouvoir trouver des accords, soit par rapport pour quitter votre travail ou tout simplement pour négocier cette transition au niveau professionnel éventuellement. Il y a un petit peu de retard, il y a des négociations qui vont devoir être faites. En plus, on a 3-7, il y a une décision importante qui va devoir être prise cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir, même pour certaines personnes, un peu de doute, d'inquiétude par rapport à ce changement radical qui arrive dans votre vie et que vous n'y étiez pas forcément préparé, ou du moins que pas sous cette forme comme elle s'est présentée là. Ok? Bon, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes, s'il vous plaît. Hop, pour les béliers. On est parti. Ah, regardez, oh, on a le roi de pique et on a le roi de carreau là, qui se sont retournés. Quelque chose qui, ouais, qui peut-être vous travaillez, qui peut vous rendre un peu fragile, qui peut un petit peu vous déstabiliser. Bon, on va aller voir. Pour moi, il y a des accords là, il y a des accords qui sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers, s'il vous plaît? Ou peut-être vous attendez justement une réponse juridique. Ça, c'est possible également. 5. Allez. Hop, hop, hop. Je mets bien les cartes. Et puis, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ouais, c'est vous. Il y a un blocage. Il y a de la colère en plus sur des nouvelles. Ah, en plus, on a les 3 as là. Hein. 3 as, crainte, décision, qu'est-ce que je raconte? Embarras, difficulté, mais quand même chance de gagner assez rapidement. Alors moi, j'ai cette sensation là que pour vous, il y a quelque chose qui vous contrarie et qui va
même amener un petit peu de colère. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de votre famille qui vous agace, hein? Ça peut être votre maman, votre belle-maman, une personne très très proche, et vous allez être en colère. Parce qu'on parle du foyer, mais on vous dit que les choses s'arrangent, il y a un engagement, il y a des signatures très rapides qui se profilent à l'horizon. Est-ce que c'est par rapport à ce changement professionnel que du coup vous allez avoir un peu des remontrances, ou du moins que là, c'est par rapport à une procédure que vous attendez des réponses et que ça vous énerve parce que ça met trop de temps éventuellement, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui se présage à vous, ou du moins que vous avez gain de cause, vous avez réussite. On va aller voir. Moi, il y a d'anxiété. Avec certitude. Magnifique. Il y a un visuel, un face-à-face par rapport à une visite inattendue, ou du moins par rapport à une surprise. Il y a ce roi de cœur. Donc, si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être votre papa, c'est peut-être une personne de votre entourage qui vous soutient actuellement, ok? Ou alors, pour d'autres personnes, peut-être que vous avez un rendez-vous là cette semaine, hein, une visite inattendue, un visuel, un face-à-face par rapport à une rencontre, au sentiment, à l'attention et à la jalousie autour de vous. On voit qu'il y a même une notion d'argent cette semaine. Par rapport à un grand changement, par rapport à un tournant dans votre vie, il y a un petit déploiement qui devra être fait pour justement amorcer ce nouveau changement, amorcer peut-être cette somme d'argent, ok? On vous dit hein, que pour certaines personnes, je vous dirais de rester vigilante, vigilante à la famille, à tout ce qui est vraiment côté... côté vraiment familial, hein, parce qu'il pourrait y avoir un peu des rififi, il pourrait y avoir un peu des mésententes, ok? Mais pour moi, il y a un déplacement, là, il y a un déplacement inattendu. Alors, soit par rapport à une rencontre sentimentale que vous avez faite avec certitude, vous rencontrez cette personne parce qu'il y a un visuel, un face-à-face, ou pour d'autres, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vraiment changer. Changer et qui va vous amener à de l'argent. Donc, est-ce que c'est une, voilà, en négociation pour casser un contrat, pour essayer de voir, pour commencer quelque chose d'autre à côté? Mais on voit qu'il y a quand même de l'angoisse, des inquiétudes. Hein. Pour certaines personnes, je parlerai même peut-être des insomnies. Ok? Bon, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous, mes béliers, ma chère et tendre Aimée? Allez, s'il vous plaît, précision. Ok. Satisfaction. Bon, on voit, vous arriverez quand même à trouver l'issue. À trouver l'issue, ça vous fera vraiment de bien. Regardez, il y a les doutes, la méfiance. Il y a le changement, ouais. Ah, il y a des décisions à prendre. Précaution. Ouais, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, il y ait des négociations cette semaine, enfin des négociations. On voit l'étranger, on voit l'oppression, on voit court voyage, déplacement par rapport à de l'argent. Je vous dis, pour moi, là, cette semaine, soit vous terminez un contrat, soit éventuellement vous faites en sorte de partir de là où vous êtes professionnellement parce que vous avez trouvé mieux ailleurs. Ça, c'est pas non plus à exclure. Et pour d'autres, c'est comme si cette semaine, il y allait avoir des signatures officielles qui vont venir à vous pour justement amorcer ce changement, amorcer vraiment, pourquoi pas, cette libération. Attention tout de même, j'irai sur le plan familial, parce que c'est comme si on vous pointait du doigt, là, comme si on était, vous étiez un petit peu la bête noire, la bête à abattre. Donc, restez vigilant, vigilante par rapport à votre famille. Si éventuellement vous avez des projets, ne pas trop parler autour de vous. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Prenez surtout bien, bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.